Perhaps we might begin this session. Well, dear colleagues, welcome to the last session of this conference. I must apologize with you for not having been able to be here for the other sessions, but I'm very happy to chair this part of the conference. So I'll call Luigi Pepe to give his talk on la théorie des fonctions analytiques de Lagrange à Weierstrass. Chers collègues, chers amis, et bonjour. J'essaierai de parler maintenant la langue dans laquelle Lagrange s'est exprimé presque toujours, sauf les premières années à Turenne. Je dividerai mon exposition en trois parties. Le titre, c'est de Lagrange à Weierstrass, mais aussi à Borel, à Hardy, la théorie des fonctions analytiques. La première partie est sur la théorie des fonctions analytiques. J'examinerai la première édition de cet ouvrage qui est paru à Paris dans le mois de mai à peu près 1797. Lagrange était alors professeur à l'école polytechnique. Il avait été chargé au début de l'enseignement d'analyse appliquée à la mécanique. Il n'y avait pas un enseignement d'analyse pure au début de l'école polytechnique, mais des enseignements, analyse appliquée à la géométrie, analyse appliquée à la mécanique. Nous verrons ça aussi en examinant le volume de Lagrange. Et c'est la seule monographie de Lagrange qui a été préparée dans une période assez limitée de temps. Et nous avons aussi une démonstration de ces faits-là. Tandis que Lagrange avait préparé avec soin sa mécanique analytique, elle était déjà prête à Berlin et elle a été imprimée seulement à Paris quelques années après. Et aussi, les leçons sur le calcul des fonctions ont eu une lente gestation, et la deuxième édition des théories des fonctions analytiques, et aussi la théorie des équations numériques. Pourquoi la nécessité de publier ça dans cette période limitée? Parce qu'elle devait sortir dans les journaux de l'école polytechnique. Et une des caractéristiques de l'enseignement des grandes écoles nées de la Révolution française était de mettre tout de suite à disposition des étudiants les textes préparés par les auteurs pour renouveler aussi l'enseignement. Et alors, oui, Lagrange a imprimé quoi? A imprimé ses théories, ses leçons qu'il faisait non plus comme leçons ordinaires, parce qu'il n'était pas grand professeur. Les élèves n'apprenaient pas beaucoup de ses leçons directes. Et il avait été chargé et les leçons avaient été données à Deproni et des mathématiques appliquées à la mécanique, de l'analyse appliquée à la mécanique. Et Lagrange avait été chargé d'un cours général, d'une certaine conférence générale. Et c'est ça qui va constituer la théorie des fonctions analytiques concernant les principes du calcul différentiel, dégagé de toute considération d'infiniment petit, d'évanouissant, des limites, des fonctions. C'est le programme, et réduit à l'analyse algébrique des quantités finies. Pour documenter la rapidité de la publication, il faut voir qu'on a eu vraiment trois premières éditions de l'ouvrage. La première avec 277 pages, avec une errata, et une autre avec le même numéro de pages, mais avec une errata qui est différente. Et la troisième en 76 pages avec les concessions qui ont été faites.
ça, examinons un petit peu la partition des sujets qui sont dans la théorie des fonctions, et qui est partagée en deux ou trois parties, on verra. Première partie, c'est l'exposition de la théorie avec les principaux usages en analyse. Il considère les fonctions qui sont développables en série de fonctions des polynômes. Et les séries, il démontre l'expansion en série de fonctions algébriques et transcendantes. Il étudie la question du reste. Très important, l'équation entre dérivées et fonctions, donc les équations différentielles, les primitives et l'extension en fonction de plusieurs variables. L'application à la géométrie et à la mécanique, vous voyez là qui revient le programme de l'école polytechnique, est divisé en deux parties, application à la géométrie, théorie des contacts, courbes développables, maximum et minimum, area, general differential geometry of surfaces, et méthode de variation. Application à la mécanique, dynamique, motion d'un mouvement d'un moyenne résistant, c'est le problème bien connu de Newton qui accompagnera Lagrange pour toute sa réflexion, et loi de conservation, loi d'impact. Mais, et oui, un petit aperçu sur il considère, on a dit déjà, des fonctions qui sont développables en série de puissances, et il va déterminer avec des considérations d'un caractère algébrique quels sont les coefficients de cette série. Il trouve qu'on sait bien que les coefficients peuvent être exprimés à partir de la série de la fonction qu'on développe et dans ce qu'on appelle la série de Taylor ou de Maclaurin de la fonction. Mais il ne se limite pas à ça seulement, il donne une expression du reste qu'il calcule d'une manière tout à fait différente de ce qu'on trouve maintenant dans les livres d'analyse, parce qu'il ne passe pas à travers les fonctions continues, donc théorème Bolzanova, etc. Mais il donne une démonstration analytique qu'il consente toutefois de trouver l'expression du reste qui justement va sur le qui prend le nom de Lagrange. Et il applique le reste au calcul effectif d'un certain nombre d'expressions, parmi lesquelles l'expression de la base des logarithmes népérienne est. Vous avez l'approximation qu'il donne. Et on trouve des choses aussi, en lisant l'ouvrage, elle est très riche, très bref dans l'exposition des différentes parties. Et une partie qui concerne les calculs des variations concerne aussi la condition qu'on dit, et qui est de Legendre, 1788, la condition sur la dérivée du second ordre qui donne une condition suffisante pour des minimums locaux et qui a été repris justement à partir de Lagrange, non à partir de Legendre, par Jacobi, dans ses études de 1837 qui ont amélioré aussi les conditions sur le minimum de calcul de variation. Donc, c'est un ouvrage très riche aussi dans les détails, pas seulement dans l'énonciation générale. Un petit aperçu de l'ouvrage. Et oui, le début de l'ouvrage, les séries, l'expression du reste commence ici et termine là. Vous avez 3-4 pages pour déduire l'expression du reste. Les fonctions, les équations différentielles, les primitives, les fonctions de plusieurs variables. L'application à la géométrie. Les problèmes de maximum et minimum pour n ou plusieurs variables. La géométrie différentielle des surfaces, les méthodes de variation.
l'application à la mécanique, la dynamique, mais surtout il essaie de donner dans les langages de la théorie des fonctions les principes de la mécanique, les lois générales qu'il avait donné dans les langages du calcul différentiel de Leibniz dans la mécanique analytique. Donc c'est plutôt un tentatif assez complexe, il faut dire, pour les notations, d'assimiler aussi toute la mécanique à la théorie des fonctions. Parce que les grands projets de Lagrange n'est pas seulement de débarrasser les calculs, l'analyse de toute considération des limites d'infiniment petits, etc., mais aussi de donner une exposition complète de la mathématique de sa période. Donc, je vous disais, c'est un ouvrage publié dans un peu de temps, et Lagrange ne donne pas une prévention générale, qu'il donne plusieurs fois dans des autres ouvrages, et aussi dans un certain nombre de mémoires qui sont très soignées sur la présentation aussi historique des contributions des mathématiciens qui l'ont précédé dans les mêmes sujets. Mais heureusement, un des élèves a pris les notes de ces conférences d'analyse qu'il faisait, et j'ai retrouvé il y a quelque temps à l'école des Ponts et Chaussées, de provenance de la bibliothèque de Deproni, qui était justement chargée du cours d'analyse appliquée à la mécanique, la préface inédite que Lagrange n'avait pas imprimée dans son ouvrage pour des questions de temps. Je vous lis quelques mots. Le défaut de temps m'a empêché de faire une préface à l'ouvrage qui vient de paraître sur les fonctions. On verra en les lisant qu'il y a deux objets principaux. Le premier est de débarrasser le calcul différentiel des considérations métaphysiques d'infiniment petit ou des quantités vanissantes ou des fluxions. La seconde de rattacher ce calcul au reste de l'algèbre de manière à ne faire du tout qu'une seule méthode. De tous les moyens que l'on a employés pour expliquer les calculs et en démontrer les règles, des éléments peuvent satisfaire l'esprit jusqu'à un certain point. Sauf toutefois lever les difficultés qu'on a dû éprouver tous ceux qui ont entrepris cette étude. Ce sont la méthode des fluxions de Newton et la méthode des limites de D'Alembert. Pas les calculs des infiniment petits de Leibniz. Donc, il dit que la méthode des infiniment petits sert à abréger les expositions, à retrouver un certain sens des résultats, mais elle n'est pas une véritable méthode. Et ça nous sera utile suivre cette indication pour ce que c'est la genèse de la théorie des fonctions analytiques que j'examinerai après cette brève présentation. La méthode des limites, il dit, quoique assez rigoureuse, offre encore des obscurités. Elle diffère d'ailleurs beaucoup de celle des anciennes. Il concevait par exemple qu'en inscrivant une suite de polygones en un cercle, son périmètre approchait continuellement de se confondre avec la circonférence, jusqu'à en différer que d'une quantité donnée et n'osait pas avancer qu'il finirait par se confondre avec elle. C'est la limite qui ne peut pas être rejointe. Les modernes ont été plus hardis. Ils ont regardé la tangente comme la limite de secante. Vous voyez aussi le soin de Lagrange d'approfondir, de lire aussi les ouvrages classiques, aussi de la géométrie classique. Il fait une brève histoire de l'invention du calcul. Il parle de Descartes, Leibniz, etc. Et il donne une précision très importante. Euler est le premier qui a employé les calculs pour des recherches purement analytiques, telles que la démonstration du binôme de Newton. Donc oui, l'analyse comme sujet indépendant d'étude
est l'œuvre de Euler, n'est pas l'œuvre de Leibniz ou de Newton. Il avait employé une méthode pour étudier des problèmes de géométrie ou de mécanique. Oui, c'est à partir d'Euler que l'analyse devient un champ indépendant de recherche. Et les sujets ne sont plus les courbes qui sont les sujets principaux pour la mécanique et pour la géométrie, mais ce sont les fonctions. Donc les fonctions qui constituent une algèbre, donc on peut multiplier les fonctions, on ne peut pas multiplier les courbes, on ne peut pas ajouter une courbe à l'autre. Et c'est la linéarité qui prend sa place dans les questions d'analyse et qui ne l'abandonnera plus. Plusieurs ouvrages de Lagrange sont sur les équations linéaires ou sur l'équation quasi linéaire. C'est une caractéristique de la position de Lagrange de s'être dédié à cette question qui naît avec l'indépendance épistémologique, on peut dire, de l'analyse de la mécanique et de la géométrie. La théorie des fonctions comprend ce qu'on a ici appelé les calculs différentiels, calcul intégral, calcul de différence partielle, calcul de variation, dénomination parfaitement inutile que sépare des objets essentiellement unis et qui paraissent devoir se multiplier sans fin jusqu'à la suite, donc une tentative d'unification. Cette partie de l'analyse. J'espère qu'on ne regardera pas cette nouvelle manière d'envisager cette partie de l'analyse comme une innovation stérile. Nous parlerons plus tard des constantes arbitraires. On a dû remarquer que les fonctions dérivées se déduisent les unes des autres par une loi constante. Cette uniformité est avantageuse par les simplifications et la régularité qu'elle a introduite dans les calculs est pourtant une espèce de malheur pour un autre point de vue. Elle prouve qu'il n'est qu'un seul moyen, un seul procédé d'analyse pour obtenir les fonctions dérivées, tandis que si la nature de la chose en eût comporté un plus grand nombre, on se serait ouvert de nouvelles sources de découvertes. Comme toute l'analyse se réduit à des transformations, c'est un accident et un nouvel index qu'il nous reste peu de moyens de faire de grands progrès avec l'analyse dans l'état actuel où elle se trouve. Donc, l'analyse, c'est un sujet complet. On verra que jamais prophétie a été plus fausse. Il fait aussi des observations sur ces notations. Il dit que quand on écrit Y avec un appendix, des appendix, c'est la manière de présenter les dérivés que vous connaissez bien, ils ne sont pas des apostrophes, comme on dit souvent, mais ce sont des accents. Puis il a préféré ces choses-là parce que comme la lettre E, par exemple, avec un accent, signifie un genre particulier de E, aussi la fonction dérivée, c'est un genre particulier de fonction qui mérite d'être présenté avec un accent. Bon, ça c'est la première partie et je vais maintenant examiner les sources de la théorie des fonctions. En partant des premières études de Lagrange, mais revenant tout de suite à la fin. Donc la préface inédite nous a donné aussi les fils, en certain sens, de ces études. Ça, c'est le manuscrit qui est en belle gravure, qui se trouve à l'école des Ponts de Chaussée. Ah, j'oubliais de dire que oui, aussi dans cette manière consiste de présenter les choses, la première édition de la théorie des fonctions analytiques a eu un grand succès éditorial. Elle a eu très première édition, elle a été reprise dans les journaux de l'École Polytechnique. Elle a eu une deuxième édition qui peut être la dernière chose
à laquelle Lagrange a posé ses mains, parce qu'elle est sortie en février 1813, et c'est pratiquement la même édition de 1797, et elle a eu tout de suite une traduction portugaise en 1798 et une traduction allemande par Guisson en 1798-99. Elle a été traduite encore en allemand par Krell dans les années 20, quand on avait déjà imprimé l'ouvrage de Cauchy à Paris. Oui, donc, la première partie, pour parler encore un petit peu de l'édition, la première partie, la plus générale, a trouvé une exposition bien plus ample, plus documentée, plus analytique, dans les leçons sur les calculs des fonctions que Lagrange a imprimé en 1806. Et vous avez déjà entendu parler de certains chapitres de cet ouvrage par M. Hildebrand et par M. Giaquinta, je pense. Quel est le début de la théorie des fonctions analytiques? On peut la retrouver déjà dans les premières études que Lagrange a faites. Hier, Pierre Kepel nous a montré cet important document de confidence qu'il a donné à M. Maurice. Dans les dernières périodes de sa vie, il dit Lagrange, il étudia d'abord l'arithmétique, les éléments d'Euclide, l'algèbre de Clairon. Puis, en moins de 2 ans, c'est 1554, il avait de 16 à 18 ans, donc il était très précoce. Il a étudié par soi-même l'institution analytique de Madame Agnesi, l'introduction et l'analyse infinitorum d'Euler, les leçons de Jean Bernoulli, la mécanique d'Euler, les deux premiers livres des principes de Newton, la dynamique de D'Alembert, les calculs intégral de Bougainville, qui est fait du côté, on peut dire, de D'Alembert, et enfin les calculs différentiels et les méthodes d'invenienti lignes curvas d'Euler. Ce fut, comme on le sait, l'étude de ces derniers ouvrages qui le conduisit à découvrir les calculs de variation. Ce n'est pas complètement vrai, parce que dans cette époque, et aussi dans les années suivantes, parce que les premières éditions du calcul différentiel d'Euler est sorti en 1755, il ne les connaissait pas. Il a pris vision du calcul différentiel d'Euler seulement en 1759. Mais le tableau est bien établi, et surtout, oui, c'est l'introduction de l'analyse in infinitorum qui a déterminé ces études de l'analyse, aussi que la mécanique d'Euler. Il disait qu'il avait considéré aussi du début parfaitement inutile de lire des grands traités d'analyse, parce qu'un très grand nombre de méthodes passent devant sans que vous pouviez choisir les méthodes qui sont vraiment important. Il a dit qu'il avait étudié et préféré étudier les méthodes d'analyse dans les œuvres d'application et qu'il avait appris dans la mécanique d'Euler pas seulement les calculs, la mécanique, mais aussi les calculs différentiels proprement dit. Après sa première publication, nous démontre déjà une grande patronance des méthodes sur les séries qu'il avait appris, bien sûr, d'Euler. Et Euler, qui adopte la notation leibnizienne, mais qui donne une conceptualisation de l'analyse qui est parfaitement en ligne avec les idées de Newton. Et le méthode invariant de Lidias Curvas, qui a été examiné hier, et qui est l'ouvrage qui l'a introduit à la méthode de variation, et je vais revenir rapidement sur ça, qui a été le sujet d'une bonne intervention par le professeur Giaquinta. Et je vais ajouter seulement que sa méthode de variation, c'est Euler qui a donné le nom à ça, et
fut employé tout de suite pour Lagrange, pour les études des premières extensions de la méthode de maximum et minimum à des fonctions de plusieurs variables, avec l'étude des surfaces minimales. Et il a fait ça dans une lettre à Euler qui a été récemment découverte, qui a été publiée pour la première fois dans l'édition des œuvres de Euler par Juskevich, Taton, etc. Elle s'appelle les scolaires appellent ça la lettre de Tartu parce qu'elle était conservée dans l'université de cette pays du pays baltique. Lagrange, oui, dans cette période a fait aussi son première publication, n'a pas été imprimé, son premier essai d'analyse, parce qu'il a été chargé de l'enseignement de cette matière à l'école d'artillerie de Turin. Ce manuscrit a été imprimé par Maria Teresa Borgado il y a quelques années. Il avait resté inédit parce qu'il était dans une bibliothèque privée, la bibliothèque du duc de Gênes, c'est-à-dire du frère de Victor Emmanuel II, qui a été le roi d'Italie. Elle avait été confiée au duc de Gênes par César Saluz, qui était le fils de Joseph Saluz, qui était le fondateur avec Lagrange de la société privée. Alors, elle est composée de deux parties. La première partie, c'est, on peut dire, la théorie analytique des dissections coniques. La deuxième partie comprend les calculs différentiels et les calculs intégraux. Il s'agit d'une exposition rapide, mais assez soigneuse, de cette matière. Et il cite aussi, Bois de Malve, Kramer, Godin, Agnesi, etc. Et ça qui démontre que c'est un ouvrage composé dans cette période et très à la page pour les renseignements qu'elle contient aux ouvrages contemporains. Mais pas, je vous disais, au principe au calcul différentiel d'Euler qu'il n'avait pas encore eu la manière de voir. Vous savez que dans cette période, on est en 1757 à peu près, et la Prusse était en guerre avec l'Empire autrichien, l'Empire germanique, qui était encore tel, mais tel alors, la guerre de 7 années, et donc, on a eu des problèmes pour l'échange aussi entre l'Europe et la Prusse. Frédéric II était en Bohème à combattre, donc il avait ses problèmes et on n'avait plus de contacts directs. Et aussi entre Euler et Lagrange qui s'était écrit avant et qui il y a eu une pause dans leur correspondance en correspondance de cette guerre. Ça c'est la partie du calcul intégral, etc. Bon, alors je vous disais, c'est à la période de Turin que démontre déjà la choix, on peut dire épistémologique, entre la méthode de Newton des fluxions et des séries et le calcul différentiel des différences et des différentiels de Leibniz. C'est aux côtés du calcul newtonien. Mais aussi, pour ce qui concerne les notations, on a déjà dans la période de Turin-Renoir, une représentation des fonctions dérivées que vous avez là, comme dans l'ouvrage de avec les accents, on peut dire. Ça n'arrive pas directement des ouvrages de Lagrange, mais des ouvrages qu'il a fait, qui sous direction a fait un élève de l'école d'artillerie. Foncenet, qui est devenu ensuite un officiel assez important de l'armée du roi de Sardaigne, et qui a écrit des mémoires. Une sur les principes fondamentaux de la mécanique qui déjà a été évoquée ici, et dans lequel on a la première représentation des fonctions avec les accents.
Puis Lagrange est parti pour Berlin, et à Berlin, il s'est placé plusieurs fois le problème des fondements de l'analyse. Il a écrit une méthode, une mémoire, une nouvelle espèce de calcul, 1774, dans laquelle il exprime encore, oui, les expressions qui sont pour la base de la théorie des fonctions, à la place de la forme différentielle de Leibniz. Mais ce n'est pas seulement une question de notation. C'est un point de vue qui va se développer, et il a fait tout ce qu'il était possible pour faciliter les études des fondements de l'analyse dans les périodes de Berlin. Et on a aussi un célèbre concours auquel ont participé différents gens et qui a été étudié par Gillespie, etc., sur l'établissement des fondements de l'analyse. Donc, oui, c'est une ligne qui nous porte à la théorie des fonctions analytiques, qui commence déjà dans les premières années de Turing et qui devient importante dans la période de Berlin. Et ça, c'est à peu près comme tout l'ouvrage de Lagrange, qui a une très remarquable continuité. Oui. Bien sûr, il développe, il trouve des résultats nouveaux, mais ils sont aussi, on peut aussi rattacher, suivre l'évolution de ces différentes idées dans la théorie des nombres, dans la théorie des fonctions algébriques, de la solution des équations numériques, des principes de la dynamique, etc. etc. Ils se montrent, oui, avec une certaine importante gradualité. Troisième partie. La théorie des fonctions analytiques et les successeurs de Lagrange. On doit dire que la théorie des fonctions analytiques fut un grand succès, aussi dans la période suivante. Poisson, Biot, Ampère, les élèves de l'école polytechnique, son collègue Lacroix, mais aussi les Italiens, Brunacci, Pauli, qui ont été évoqués par Borcato, les Anglais, Bagage, Babbage, Peacock, Herschel, qui fondait à Cambridge l'Analytical Society, sont enthousiastes de la théorie des fonctions, qui a eu aussi des traductions allemandes. Donc la deuxième a été faite par Krell. C'est à Paris qu'on a trouvé enfin les premières voix critiques. On a une voix critique de Vronsky, qui était tout à fait originale et qu'on ne prend pas vraiment en sérieux, mais aussi on a les fondamentales objections qui ont été faites par Cauchy et par Abel dans les années 20 du 19e siècle. Ce sont des choses bien connues, mais il faut les rappeler parce que c'est important pour continuer mon exposition. C'est important de Cauchy et d'Abel. Cauchy, cours d'analyse. J'ai été forcé d'admettre diverses propositions qui paraîtront peut-être un peu dures. Par exemple, qu'une série divergente n'a pas de somme. Il dit, on doit démontrer qu'une série soit convergente, mais oui, ça est un peu dur parce que on verra. Et puis il donne, oui, dans cette période, aussi dans son mémoire imprimé en Italie, l'exemple d'une fonction qui a tous les dérivés de n'importe quel ordre et qui n'est pas représentée avec sa série de puissances. C'est la fonction bien connue, et when n divise x de 2 et x différent de 0, ça c'est différent, hein? X qui n'est pas 0, le premier, oui, on voit, hein? Et 0 quand il a x égal 0. Permettez-moi une petite aperçu sur les séries, sur la série divergente, dont l'emploi était général, oui. On peut trouver presque une démonstration de l'air qui nous sera fausse parce qu'il emploie les séries divergentes. La question se pose tout de suite par une lettre d'un professeur de Pise, justement, oui, qui était Guido Grandi, à Leibniz. Il pose la question, si vous avez une série. La série, on peut dire, c'est la série géométrique. Vous pouvez placer 1 dans cette série et vous avez la série n minus 1 plus 1
Swan, etc. Quelle est la somme? Leibniz répond, oui, s'il y a une somme, c'est un demi. Et c'est vrai, parce que s'il y a une somme, vous avez cette expression, vous pouvez écrire la série aussi dans cette manière, CS, la somme is égal à 1 minus toute la série, donc 1 minus S, et donc c'est 2S égale 1, et donc c'est, la somme c'est 1,5. Malheureusement, on peut voir aussi la chose de notre point de vue. On a la même série, si on considère cette expression, n mineur de m, oui, le rapport est n divisé par m, mais oui, si vous développez une série formellement, vous plaçant pour x le n, vous avez la même série. Et donc, vous pouvez donner à la même série, à partir de cette expression, la valeur n divisé m pour n'importe quel n m entier. Oui, c'est Lagrange qui dit, oui, il faut faire attention. Parce qu'aussi dans ces cas, par exemple, si vous prenez n égale 3, m égale 5, vous n'avez pas une série vraiment complète, mais vous avez une série avec des places qui manquent. Si vous considérez aussi la succession des sommes pour les cas qui manquent, vous avez S1, S2, S3 égale n, S4 égale S5 égale 0. Donc, le rapport entre... pour les premiers termes, c'est toujours n à divisé par 5. Donc, il cherche de donner une justification. Ça n'est pas tout à fait convaincant, mais quand même, elle est une justification. Il faut avouer que des voix critiques sur l'emploi des séries divergentes étaient déjà assez connues. Par exemple, d'Alembert, dans les opuscules mathématiques, le cinquième volume, 1768, il écrit « Pour moi, j'avoue que tous les raisonnements fondés sur les séries, qui ne sont pas convergentes, mais paraissent très suspectes, même quand les résultats s'accorderaient avec des vérités connues d'ailleurs. » Toutefois, les anciens géomètres n'avaient pas point d'habitude de construire artificiellement des expressions analytiques compliquées pour prouver telle ou telle opinion. Ils se contentaient d'habitude de calculer sur les expressions qui s'appresentaient naturellement à eux au cours de leur recherche. Donc, on n'avait pas l'habitude de chercher des contre-exemples. Quelqu'un qui présentait des contre-exemples, la réponse était oui, donc vous avez cherché, vous avez prouvé le contraire, mais c'est justement ce que vous voulez faire. N'est pas, l'exemple ne s'est pas présenté naturellement dans une expression de calcul sur les équations, etc. Donc, et les choses changent, on verra au cours du 19e siècle, mais très lentement, on verra. Oui, toutefois, à l'époque de Lagrange et Lacroix, on avait dans les séries divergentes une confiance justifiée par les faits, mais cependant rendue prudente et quelque peu hésitante par les difficultés. Qu'on a vu par exemple. Je vais vous montrer seulement pour une série qui est calculée par Lacroix. Lacroix écrit un grand traité d'analyse à la même époque, on peut dire, de la théorie des fonctions analytiques. Il étudie la série 1 minus 1 plus 1 2 minus 1 2 3 plus 1 2 3 4. Et c'est une série qui alternait des factoriels. Et la croix donne à ces séries une somme
on la retrouvera, hein, on retrouvera cette somme qui est 0,46,526. Bon, alors on revient à Cauchy, à Abel. Abel est encore plus net. Hein. Les séries divergentes sont en général quelque chose de bien fatal. Dans une traduction anglaise, on trouve « œuvre du devil », du démon. Et c'est une honte qu'on n'ose y fonder aucune démonstration. La partie la plus essentielle des mathématiques est sans fondement. Pour la plus grande partie des résultats sont justes. Il est vrai. Mais c'est là une chose bien étrange. Je m'occupe à en chercher la raison. Problème très intéressant. Malheureusement, Abel n'a pas eu la possibilité, pour sa mort, de compléter ou d'avancer dans ce projet. Mais Cauchy l'a fait. En parcourant les œuvres de Cauchy, on se rend compte que le désir de trouver un mode d'utilisation des séries divergentes ne l'a jamais abandonné. Il est revenu à plusieurs reprises. Il se préoccupe aussi des intégrales définies pourvues de sens, les intégrales de Cauchy, qui sont une question qu'on est assez des séries divergentes. Mais si, il y a une mémoire particulière de Cauchy sur l'emploi légitime des séries divergentes dans lesquelles il étudie la série de Stirling pour le factoriel. Vous connaissez la célèbre. L'expression du factoriel. Il s'agit. Que c'est? Diviso. Procédé de calcul. Oui, c'est un calcul approximatif. C'est une série pour laquelle les termes décroissent d'abord pour croître ensuite au-delà de toute limite. Cauchy n'a pas perdu de vue la question des séries divergentes. Et là, il a dû chercher d'atténuer la proposition et pédure que les séries divergentes n'ont pas de somme. Les successeurs immédiats de Cauchy, au contraire, ont accepté cette proposition sans atténuation ni restriction. Et c'est la question de la rigueur dans l'analyse. Mais il faut être prudent aussi sur le terme rigueur. Voyons ce que Jacobi a écrit à Humboldt le 21 décembre 1846. Quand Gauss dit qu'il a démontré quelque chose, cela me paraît très probable. Quand Cauchy le dit, il y a autant à parier pour que contre. Quand Dirichlet le dit, cela est certain. Donc il y avait aussi dans cette période une idée alternante sur la rigueur. Et voilà. Mais à ce point, il faut présenter l'ouvrage de Weierstrass. En effet, le mot rigueur est attaché à celui de Weierstrass, qu'il a passé une longue période dans l'école secondaire en Allemagne. Et il a commencé toutefois son histoire de l'analyse, ses études d'analyse, pas pour les problèmes des fondements, mais par la théorie des fonctions analytiques, but exclusif de ses premières recherches. Et après, il est passé à étudier les fonctions analytiques moyenne pour étudier les fonctions abéliennes. Et les fondements de l'analyse se sont plusieurs fois rattachés au problème qu'il a trouvé dans l'étude des fonctions analytiques. Nous avons maintenant un certain nombre de rédactions des cours que Weierstrass a fait à l'Université de Berlin par une trentaine d'années.
et ils se trouvent dans différentes bibliothèques. Ils ont été rédigés par différents étudiants très importants d'ailleurs de Weierstrass, parce que Weierstrass ne rédigeait pas bien volontiers ces travaux. Alors, un petit aperçu, 1756, chapitre choisi de la physique mathématique, le premier cours à Berlin a été donné sur les applications. Oui, on dit souvent que la mathématique allemande s'est surtout projetée pour la généralité, etc. Ça n'est pas vrai complètement, mais ils ont eu attention aussi à l'application de ces matières. Möbius a écrit des choses sur la mécanique, etc. Théorèmes généraux de la représentation des fonctions analytiques, tout de suite par les séries convergentes, 1857. En hiver, il faisait deux cours. Il travaillait pour 9 mois chaque année et il donnait plus de 200 heures de leçons chaque année. Tandis que Hermite, à Paris, donnait 40 heures de leçons dans la même période. Donc, il faisait des cours assez... Alors, certaines fois, il avait terriblement réduit le nombre des auditeurs. Il était au début plus que 100. Il en restait 7 ou 108. Mais pour un certain nombre d'années, il avait une continuité avec 20-25 élèves, qui est très remarqué par ceux qui ont suivi ses cours à Berlin. Alors, problème choisi de géométrie et de mécanique, résolu avec l'aide des fonctions analytiques, théorie application des séries trigonométriques et de l'intégrale définie qui sert à la représentation des fonctions arbitraires. Là, il démontre qu'une série de Fourier d'une fonction continue ne converge pas nécessairement à la fonction. Chapitre choisi du calcul intégral, 1859, théorème généraux concernant la représentation des fonctions analytiques par des séries infinies. Introduction à l'analyse, l'année suivante, on a la rédaction de Schwarz et on a aussi des autres rédactions de par Kiepert, dans la bibliothèque, par Hurwitz, qui se trouve à Zurich, et enfin une rédaction qui est très importante et que vous trouvez dans la Mathematica Italiana, la siège dédiée par le Centre de Giorgi, par Pinkerle, 1878. Il avait été élève de Weierstrass dans cette période. Lagrange avait fait un cours complètement dédié aux fonctions analytiques. Oui, oui, vous connaissez peut-être Hermite, Hermite Gleffer va à Paris en 1873, il dit « Vous avez fait erreur, monsieur, vous auriez dû suivre les cours de Weierstrass à Berlin, c'est notre maître à tout ». Oui, donc vous avez vu l'articulation de ces cours. Et la chose remarquable, que les principes, les contre-exemples qui ont été donnés pour les fonctions réelles sont, d'un certain point de vue, de plusieurs points de vue, liés aussi à des exemples qui donnent pour les fonctions analytiques. Par exemple, dès l'exemple qu'une fonction analytique ne peut pas être prolongée au dehors d'un certain cercle, on peut tirer un exemple qui dit qu'il y a une fonction continue qui n'a pas dérivé dans aucun point. Ça, c'est donc c'est l'algébrisation faite par Weierstrass, qui, dans certains points de vue, reprend aussi les tentatives de Lagrange de fonder une théorie algébrique des fonctions. Mais c'est maintenant une chose différente. L'algébrisation de l'analyse entreprise par Weierstrass, par Lagrange, Weierstrass la reprend à son compte, mais en utilisant les utiles que sont la notion des limites, des bornes supérieures et inférieure, des points d'accumulation, des convergences uniformes, etc. La partie théorique sur les fondements de l'analyse qu'il a été mis au point au cours de ses leçons et de ses recherches. Et
Oui, enfin, le puissant effort fait par Lagrange pour mettre les fondements du calcul infinitésimal à l'abri de ses critiques n'aboutit pas en réalité à un secret complet. Tout était ramené aux séries, mais il aurait dû fallu remontrer la convergence de ces séries. Aujourd'hui, nous ne connaissons plus ces difficultés. La rigueur de nos démonstrations ne laisse plus rien à désirer. Les notions les plus complexes et naguère les plus obscures se ramènent toutes en dernière analyse à la notion parfaitement claire des nombres entiers. Donc c'est à partir des nombres entiers qu'on construit avant les... je pense Borel. Et on est arrivé, peut-être repris par des Poincaré. On est arrivé à ces résultats en réduisant au minimum le rôle de l'intuition. Le principal auteur de cette révolution est le géomètre allemand Weierstrass. Mais nous n'avons eu longtemps en France que la vague écho de ses découvertes. Au lieu de l'exposer dans les mêmes imprimés, il s'est contenté de le développer dans son enseignement. Elle se transmettait entre ses disciples par tradition orale. Question d'entrée, nous pouvons le deviner d'après quelques rares écrits ou d'après les travaux de ses élèves. Mais elle n'appartenait pas au domaine public. Vous savez que la théorie de Weierstrass, qui commence justement par les séries de fonctions analytiques, est devenue célèbre. Elle est une manière de présenter la théorie des fonctions analytiques. Et par exemple, Henri Cartan a adopté ce point de vue, qui est, on peut dire, presque contemporain au point de vue de Cauchy. La théorie des fonctions complexes, des variables complexes, est assez compliquée, l'histoire. On commence plutôt pour donner des significations à ce qu'on appelle les intégrales complexes, plutôt que à commencer par le début de la théorie. La définition des dérivés en sens complexe est donnée par Cauchy-Riemann à peu près dans les mêmes années, oui, où écrit Weierstrass, quelques années avant, peut-être, mais peu d'années avant, parce qu'il y avait une grande difficulté à donner la définition des dérivés complexes. Oui. Ce n'est pas la dérivée seulement long toutes les lignes, les droites qui portent. Donc, oui, alors, oui, mais quand même, oui, alors, vous voyez que la question des séries prend cette direction. D'une partie, elle devient patrimoine de la théorie des fonctions complexes. Là, l'exemple de Cauchy ne marche pas. Oui, parce que quand une fonction est dérivable au sens de Cauchy-Riemann, etc., elle est analytique, donc l'exemple que Cauchy a dit pour les fonctions réelles ne marche pas, et on peut développer la théorie d'une manière directe à partir des séries de puissance avec le prolongement analytique. Oui, ça ouvre des autres questions, fonctions à plusieurs variables, surface de Riemann, mais ce n'est pas mon sujet. Je dois suivre un petit peu pour terminer la question des séries divergentes, qui est stoppée dans cette période. Oui, le bruit qui a fait l'école de Weierstrass a mis tout dans le suspect de faire usage de choses qui n'étaient pas complètement démontrées. Mais la théorie va reprendre quelques années après, et je vous montre quelques résultats. Questo è Borel, Émile Borel, voilà, ça c'est un livre magnifique sur la théorie des séries, qui comprend aussi une partie historique sur la théorie, et qui prend les résultats jusqu'à la fin du 19e siècle. Alors, il s'agit de donner, à partir des nouvelles exigences des limites, la théorie des séries divergentes. Et on a nombreuses contributions de cette... On a nombreuses contributions dans cette direction.
Alors, la série de la croix, la série de la croix, la série de la croix peut s'écrire, c'est la guerre qui a démontré ça, avec l'intégrale. Cette intégrale, et il donne, oui, une définition de somme d'une série divergente qui comprend aussi ces cas-là, et à travers la représentation des fonctions, des fractions continues. Je vais mettre à disposition les papiers de la guerre, mais on a des autres définitions qui permettent de considérer une définition différente des sommes d'une série, qui permet de donner, oui, aux séries qui déjà on connaît pour être convergentes, la même valeur. Et aussi pour donner des valeurs des séries qui ne sont pas convergentes au sens ponctuel. Oui. Ça, par exemple, Frobenius. Il considère que il démontre que la limite est égale à la limite cette limite-là, et ça permet déjà de retrouver si le second membre existe. Hein? Et ça permet déjà de retrouver la série des grandi, la valeur de la série des grandi. Oui, je vais vous montrer comment on peut repêcher la série de la croix. Et enfin, on a une définition de convergence, de qui est plus compliqué, qui est très large, qui est donné par Borel dans sa théorie des fonctions des séries divergentes. Et après ça, la théorie des séries divergentes, oui, devient une théorie très praticable de l'analyse. Et on a, dans les premières années du 20e siècle, des contributions très importantes par Hardy, qu'il a écrit un traité très important sur les séries divergentes. On a nombreuses applications de la théorie des séries divergentes à la théorie des nombres, hein? Le théorème Tauberian, bien connu, Wiener, etc. Donc c'est une théorie qui a eu un très remarquable développement dans toute la première moitié du XXe siècle. Mais ça n'est pas la seule, oui, c'est une direction importante de la récupération, on peut dire, du matériel mathématique du XVIIIe siècle, mais n'est pas la seule. Vous connaissez bien, et sur ça je termine, que on peut dire toute la théorie de l'intégration, la théorie de distribution, etc., vont dans une direction d'atténuer les théorèmes qui ont dû donner, par exemple, le passage sous les signes d'intégrale de la limite. Non? Pour l'intégrale de Riemann, si vous avez une suite de fonctions continues qui convergent en fonctions continues, n'est pas nécessairement l'intégrale de la limite égale à la limite de l'intégrale. Tandis que pour l'intégrale de Lebesgue, vous avez que si la convergence est dominée,
Oui. Et vous pouvez passer sur les signes d'intégrale avec la seule convergence ponctuelle. Et il y a toute une série d'exemples qui viennent de l'analyse fonctionnelle qui permettent de, on peut dire, de s'en passer des critères très rigides qui avaient été donnés pour des convergences uniformes, par exemple des dérivés d'ordre quelconque, etc., pour avoir des résultats de passage entre dérivation et série, etc., ou des intégrales et série, etc. Et oui, donc, oui, on a une certaine manière récupéré, mais d'un point de vue complètement différent. C'est Weierstrass qui a imposé une nouvelle manière de voir au principe de l'analyse qui a été très fructueuse. Parce que oui, vous avez vu qu'avec l'analyse du XVIIe siècle, Lagrange avait considéré la théorie des fonctions argument terminé, argument fini. Tandis que pour les études sur les fondements, on se sont ouverts de nouveaux sujets et l'analyse du XXe siècle et du XIXe siècle aussi ont bien marché, mais ils ont aussi récupéré une grande partie des résultats de la période précédente. Je vous remercie. Thank you, Luigi, and I think we have now half an hour of break, I suppose. Not discussion. Discussion. No, discussion. Ah, question, question. Yeah. Shall I open the question time? Yeah, okay, Krupel. Bon, oui, j'ai bien conscience de faire une remarque un peu confuse et un peu de mathématicien naïf et non d'historien, mais j'ai quand même beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi il a fallu attendre si longtemps pour étudier la fonction exponentielle de moins 1 sur x2, sur x au carré, hein. Parce que quand on regarde les travaux d'Euler et de D'Alembert, il y a quand même quantité de contre-exemples sur lesquels ils essayent de travailler. Par exemple, D'Alembert est obsédé par cette famille de fonctions qui perd son diamètre de courbe, et qui perd son diamètre quand le coefficient b est égal à 0. Il le dit 10 fois dans l'article courbe de l'encyclopédie, etc., exemple qui est fourni par Euler. Hein. Bon, or, à la fin de sa vie, il y a une longue discussion qu'a D'Alembert avec Lagrange et avec Euler sur la notion de fonction, hein, et dans le dernier tome des opuscules, le tome 9, qui est resté inédit à cause de la mort de D'Alembert, il en arrive à la conviction que la théorie des équations dérivées partielles peut être développée à condition d'avoir des fonctions qui n'ont pas de saut de courbure, c'est-à-dire des fonctions qui ne sont pas toujours données par la même expression et qui ont en chaque point une courbure, hein, à condition qu'il n'y ait pas de saut, c'est-à-dire ce qu'on appellerait les fonctions C2, hein. Voilà. Donc il y a beaucoup de réflexions là-dessus, et il y a des réflexions sur les séries, etc. La fonction exponentielle de moins 1 sur x2, c'est quand même une fonction naturelle, quoi, hein. Or, moi je n'ai pas trouvé, j'ai cherché pourtant longtemps, je n'ai pas trouvé d'endroit où elle soit simplement même mentionnée, quoi, au XVIIIe siècle. Alors, la deuxième remarque que je voudrais faire, qui est un petit peu moins naïve, c'est que je crois qu'on est un peu gêné dans ces études par le fait que D'Alembert est extrêmement difficile à lire pour nous, pour les mathématiciens ultérieurs.
contrairement à Euler et à Lagrange, qui ont un langage très moderne, hein, chez D'Alembert, il y a encore beaucoup de mots qui sont utilisés dans des sens qui, pour nous, apparaissent confus et anciens. Par exemple, lorsqu'il parle d'une série qui est convergente au début et divergente à la fin, ça veut dire, ou le contraire, ça veut dire une série dont le terme général décroît pour n petit, et dont le terme général se remet à croître quand n tend vers l'infini. Hein? Or, quand on regarde le mémoire du tome 5 des opuscules que tu as cité, le mémoire 35, hein, on s'aperçoit que ce mémoire, qui a souvent été interprété comme étant une première version un peu des idées de Cauchy sur la convergence, etc., est aussi un mémoire relatif au calcul concret en astronomie. Et dans le même tome 5 des opuscules, il y a un mémoire numéro 42 qui est un mémoire sur des calculs astronomiques dans lesquels il utilise ce genre de réflexion. Voilà. Alors je crois que bien qu'on ait beaucoup travaillé sur ces questions de convergence, de divergence, de théorie des fonctions, etc., il reste encore beaucoup de mystères, en tout cas pour moi, pour arriver à comprendre vraiment comment ces idées, dans les années 1760, 1770, 1780, entre D'Alembert, Lagrange et Euler, se sont développées, ont fonctionné, etc. Bon, j'ai bien conscience que c'est un petit peu confus ce que j'ai dit, hein, mais c'est l'état de ma réflexion confuse. Avant de donner la parole à Luigi pour une réponse, je voudrais prier tout le monde de réserver des questions générales pour la discussion générale qui aura lieu après et de poser des questions précises à l'orateur, à Luigi, sur les sujets de son exposé. Et donc, il y aura une discussion après où on pourra reprendre, par exemple, les questions qu'il posait Crépel. Vous voulez dire quelque chose? Il y avait qui voulait. Bon. Oui, une question très précise sur cette série de Lacroix. On la trouve dans Euler, n'est-ce pas, dans De Seribus Divergentibus de 1760. Il me semble que, si j'ai bien lu, moi j'ai entendu parler de ces séries divergentes du point de vue historique dans les œuvres de Jean-Pierre Ramis, qui est professeur à Toulouse, et qui cite Euler et qui explique que Euler cherchait la valeur de la série numérique qu'il appelle série de Wallis. Et il donne plusieurs méthodes, et l'une des méthodes est effectivement cette intégrale, puisque ça peut se voir comme une intégrale de Laplace calculée en x égale 1, quand on considère la série génératrice. Et d'ailleurs, il me semble que la valeur numérique est un peu différente, mais enfin là, c'est un détail. Et oui, donc voilà, ma question, c'est pourquoi avoir cité Lacroix plutôt que Euler pour cette question ? Oui, parce que c'est justement un contemporain de Lagrange, non? Pour dire que ce sont des choses qui sont agitées dans la même période. Et vous savez que le livre, les traités de Lacroix, a été imprimé 3 ans avant, une deuxième édition avant Cauchy. Donc c'est pour dire qu'on a eu un passage assez rapide d'un certain point de vue pour Cauchy. Bien sûr, oui. Mais vous pouvez trouver. Merci de ce complément d'observation, mais vous pouvez trouver dans Euler n'importe quelle somme de séries qui ont été bien déterminées par contre, et qui sont faites avec l'emploi de séries divergentes. Mais je voulais surtout rappeler le fait que il y a la discontinuité entre Cauchy et Lagrange, mais il y a aussi une certaine continuité pour l'attention que Cauchy a réservée au problème des séries divergentes. On ne cite jamais les intégrales de Cauchy au sens principal. Oui, c'est une manière d'affronter à peu près les mêmes questions qui sont pour les séries divergentes. Et juste d'ailleurs, de l'autre côté du tableau, vous avez cité Frobenius pour ce que nous appelons peut-être communément la sommation d'Abel ou d'Abel et Césaro. Alors pourquoi avoir cité Frobenius plutôt que
Oui, Abel, oui, non, Cesaro, bien sûr, oui, je suis bien content d'évoquer le nom d'Ernest Cesaro, oui, qui l'a emporté beaucoup à la théorie des séries divergentes. Mais s'il est parti d'un autre problème, c'est-à-dire, vous savez que il y a les produits de Cauchy, entre des séries qui donnent la série produit, non, et ça marche si les deux séries sont absolument convergentes. Oui, ça autrement ne marche pas. Alors le problème duquel est parti Cesaro, c'est d'atténuer ces hypothèses, de donner des hypothèses plus faibles, et il a donné des séries, une notion de somme de séries qui est plus large de celle qui j'ai été dit, mais qui je pense était un peu postérieure. Mais je dois vérifier si la guerre a été écrite avant de César. Mais qui quand même on a toute la théorie de César qui est bien étudiée, et puis on a toute la théorie des séries asymptotiques par Poincaré, no? Qui est résumée dans les livres de Borel. Et pour Pierre, on peut reprendre la question. Mais je dois dire que j'ai aussi encore de la confusion en tête sur la dernière moitié du 19e siècle. Il faut toutefois observer que le titre, Lagrange a écrit un traité, théorie des fonctions analytiques. Donc ça ne disait pas qu'on ne peut considérer en des cas particuliers des expressions qui sont différentes. Euler l'avait déjà fait en étudiant la théorie des cordes vibrantes. Non, il avait dit à côté des fonctions continues, les fonctions continues d'Euler sont les fonctions analytiques, on peut prendre en considération, on doit en effet, si on veut examiner les problèmes physiques, de considérer des fonctions différentes. Mais enfin, oui, il a toujours le problème de la maître. Non? Et vous savez que dans la dispute des cordes vibrantes, que celui qui avait raison, c'est justement Daniel Bernoulli qui pensait, oui, que toutes les solutions pouvaient être exprimées par série de Fourier. Mais tous lui ont donné tort, parce qu'il ne pensait pas que les fonctions pouvaient abandonner l'idée des fonctions analytiques. Et oui, ça, c'est. Vous avez quelque chose qui marche presque partout, on pourrait dire, avec un langage à peu près mathématicien. Et ils ont des problèmes à renoncer à ça. Et comme les traités les plus diffusés, quand on voulait apprendre les mathématiques, Lagrange disait, vous devez. Le seul conseil qu'il donnait, à part des idées de détails, il disait il faut lire Euler. Les ouvrages d'Euler ont enseigné, après les ouvrages de Lagrange, l'analyse à tout le monde, tandis que les ouvrages de D'Alembert, très importants, mais partout ont été des considérations semblables dans le monde de ceux qui travaillaient dans l'analyse. Il y a d'autres questions? Ah oui? Une petite remarque pour souligner un adjectif qu'emploie Lagrange dans la préface que vous avez mentionnée sur son souci de débarrasser l'analyse des considérations métaphysiques d'infiniment petit, etc. Donc ça c'est dans la préface. Et, je voulais souligner parce que beaucoup plus tard, André Weil utilise le même adjectif métaphysique, en fait c'est même comme un nom, dans son célèbre article de la métaphysique à la mathématique, et très malicieusement, là il parle de théorie de Galois en fait. Et l'adjectif métaphysique, avec sa connotation négative, un peu comme chez Lagrange, il l'applique précisément à Lagrange. Lagrange, dans son traité sur la résolution des équations algébriques, étant donné que la vraie mathématique pour Weil, c'est chez Galois, quand le voile est déchiré, comme vous savez, mais avant, déjà chez Lagrange, de manière voilée et métaphysique, on trouvait des éléments théoriques de Galois. Enfin, typiquement
la malice d'André Weil. Oui, bien sûr, vous savez que l'adjectif métaphysique avait une signification très négative au XVIIIe siècle après l'encyclopédie. Hein. Et oui, c'est le point de vue systématique général qui était condamné et pour oui, le faiseur des systèmes no, du XVIIe siècle n'avait pas bien apprécié. Et même les grands auteurs comme Newton, etc., quand ils faisaient des systèmes, oui, ils devaient être abandonnés. C'est Descartes. No, vous savez la position des encyclopédistes vers Descartes. Descartes a fait de la géométrie, a fait faire des passages importants à la théorie de l'analyse, mais quand il a adopté l'esprit des systèmes pour son principe de la physique, pour sa philosophie naturaliste, il est sorti de la vérité avec les tourbillons, etc. Merci. S'il n'y a plus de questions, alors je vous invite à goûter au